Maybe she said something this morning anyway. Just gonna call our sister Stephen Ward. Maybe she said something. Sister Ruth. Sister Montos and Sister Sarah. We just come forward. Amen. Amen. Just come for the Lord. Amen. Thank you.
Jesus. Amen. You get us all stand up once again, please. I'm just gonna sing in that city where the name is the light. Where the city is one, I'm just gonna ask our ticket to take the packet and then call it off. Amen. Thank you.
note. Amen. Thank you.
clap them for the Lord. In the name of the Lord Jesus Christ. And you can greet the person next to you. Just say, God bless you, God bless you. Who get acquainted. We are happy this morning again to see you all. And we have Pastor Paul from Evening Light Tabernacle in Kinshasa. That will bring the word today. Are we ready for the word? Are we ready? Do you appreciate the word? I always say the preacher doesn't bring a revival. The revival is in you. So this morning, when we eat, we open our mouth. Amen. So when you'll be eating, nobody eats, the mouth is closed. Unless you don't want to eat, then if you don't want to eat, your place is not here this morning. Amen. And when we sit around the table, we will be eating like eagles. Nous serons en train de manger comme des aigles. Because the word says where there will be the carcass. Parce que la Bible dit que la parole dit que quand là où il y aura le corps, there the eagle will gather. Les aigles qui s'assembleront. So we are gathered. Et si nous sommes rassemblés, ready for the word. Prêt pour la parole. We will sing a little song. Nous allons chanter petite chanson. I know it was the blood. Je sais que c'était le sang. I know you had the blood. Je sais que c'était le sang. While we stand to welcome the word. Pendant que nous allons tenir debout pour recevoir la parole. I knew it was the blood. I knew it was the blood. I knew it was the blood. Oh. Josué, fils d'un homme, serviteur de Moïse. The Lord said to Joshua, the son of Nun, servant of Moses. Moïse, mon serviteur, est mort. Moses, my servant, is dead. Maintenant, lève-toi, passe Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants. Now, stand up, cross the Jordan, you and the people that have given to you. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne comme je l'ai dit à Moïse. For places which your foot will step on, I'll give to you as I said to Moses. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve. Verset 4. Verset 2. Vous aurez pour territoire depuis le désert, le Liban jusqu'au grand fleuve. From the wilderness and this Lebanon, even unto the great river. Le fleuve de l'Euphrate, tout le pays des Éthiens, jusqu'à la grand mer vers le soleil couchant. The river Euphrates,
all the land of the Hittites and into the Greek sea toward the going down of the sun shall be your coast. Nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. There shall not any man be able to stand before thee all the day of thy life. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. As I was with Moses, so I will be with thee. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. I will not fail thee, nor forsake thee. Fortifie-toi et prends courage. Be strong and of a good courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que je jurai à leur père de leur donner. For unto this people shalt thou divide for inheritance the land which I swear into the fathers to give them. Fortifie-toi seulement et aie un beau courage en agissant fidèlement selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Only be thou strong and very courageous, that thou mayest observe to do according to all the laws which Moses, my servant, commanded thee. Ne t'en détournes ni à droite ni à gauche afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. Turn not from it to the right hand or to the left, that thou mayest prosper with over thou goest. Que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche, médite-le jour et nuit pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit, car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises, c'est alors que tu réussiras. This book of the law shall not depart out of your mouth, but thou shalt meditate therein day and night, that thou mayest observe to do according to all this is written therein, for then thou shalt make thy way prosperous, and then thou shalt have good success. Ne t'ai-je pas donné cet ordre, fortifie-toi et prends courage, ne t'effraie point et ne t'épouvante point, car l'Éternel ton Dieu est avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Have not I commanded thee, be strong and of a good courage, be not afraid, neither be thou dismayed, for the Lord thy God is with thee, whithersoever thou goest. Prions. Let's pray. Notre Père, notre Dieu, combien nous te sommes infiniment reconnaissants de ton amour qui nous a gardés, protégés et conduits dans ta maison ce jour pour t'adorer. Notre Père, nous savons que le moment le plus solennel, c'est le moment où nous nous tenons devant toi pour nourrir nos âmes. Nous voulons avouer que nous sommes indignes et incapables par nous-mêmes. Nous mettons totalement notre confiance en toi et nous en appelons à ton secours maintenant pour que le glorieux Saint-Esprit, lui, la grande colonne de feu qui conduit l'Église de Dieu en ce temps de la fin, puisse nous joindre maintenant, Seigneur, nous connecter au canal principal d'inspiration et nous donner les quelques paroles venant de ta grâce, de telle sorte que celle-là apporte la vie, apporte vraiment un encouragement pour la suite de notre marche avec toi. Père Céleste, tu as été avec nous durant cette année qui chemine vers sa fin. Tu nous as gardés, protégés, épargnés de toutes sortes de dangers. Et nous voulons, Seigneur, maintenant, que tu nous aides par ta parole à pouvoir te connaître mieux afin de bien te servir. Je prie que tu bénisses la lecture de ta parole. Bénis ton serviteur que tu as établi sur ce troupeau pour le nourrir de pain de vie. Et bénis le troupeau lui-même. Conduis-nous du début jusqu'à la fin. Nous prenons l'autorité sur toute la puissance du diable qui se serait infiltré en ces lieux pour perturber, pour nous distraire, pour nous empêcher à être en connexion avec le ciel. Par l'autorité de la parole de l'heure, nous les chassons de ces lieux au nom de Jésus-Christ. Nous invoquons ta présence, Seigneur. Laisse que seul tu sois le maître, tu prennes la prééminence et la conduite et que tu donnes des paroles de grâce et d'amour et d'intelligence et de sagesse qui puissent aider quelqu'un à se rapprocher plus près de toi. Nous abandonnons nos fils à toi et nous prenons l'autorité, Seigneur, sur toute puissance de distraction, toute puissance d'envoûtement, toute puissance de maladie, quel que soit le nom d'un ou d'un autre démon qui serait infiltré en ces lieux. Dans le nom de Jésus-Christ, nous les chassons de ces lieux. Nous croyons que maintenant tu prends le contrôle sur nous pour nous conduire de jusqu'à la fin au nom de Jésus-Christ, le Fils de Dieu bien-aimé. Amen. Amen. Amen.
Merci, que Dieu vous bénisse. God bless you. Et voulez-vous vous asseoir? Mérissez. Je rends grâce à Dieu qui m'accorde d'être avec vous ce jour. Giving me this opportunity to be with you today. C'est vrai que nous sommes venus ici répondre à l'invitation. Et tout notre chemin et tout ensemble pour l'invitation. Le pasteur Kondima nous avait adressé pour la convention. Le pasteur Kondima vous gave us pour la convention. Et pour la convention, nous devions avoir un peu quelques temps de repos. We supposed to have some time of rest after the convention. Et comme nous avons beaucoup de serviteurs de Dieu. Yes, ici dans la ville, of God here in the town, qui nous connaissent, qui nous aiment, who knows us and loves us, notamment le camp du révérend pasteur Alain, for instance, the Reverend Pastor Alain, que j'ai découvert il n'y a pas très très longtemps, that I found out not so far. J'ai déjà découvert en lui un très très bon frère, a good, very good brother, avec un très bon esprit, a good spirit, un homme qui aime Dieu, a man who loves God, qui aime l'œuvre de Dieu, qui aime le peuple de Dieu et qui aime les serviteurs de Dieu. Il a été très gentil en m'accordant sa chair. Et je suis reconnaissant à Dieu pour cette hospitalité. Et je crois que ce matin, je n'ai pas personnellement un message particulier. Un petit ministère. Ma petite contribution serait que je m'efforcerai à dire ce que le prophète a déjà dit. My little contribution is to I will say what the prophet has said. Parce que je suis de ceux qui croient fermement que Dieu a envoyé un prophète dans cette génération. Because I'm among those who believe from their heart that God has sent a prophet in this generation. S'il y a le ministère aujourd'hui, and if there is a ministry today, nous avons le ministère des répétitions. We have the ministry of repeating. Les Ephésiens 4 sont les auxiliaires de Malachi 4. Ephesians 4 are the auxiliary of Malachi 4. Vous savez, quand on parle d'un verbe auxiliaire, you know, when you're speaking about the auxiliary, ce n'est pas l'auxiliaire qui fait l'action. It's not the auxiliary who's doing the action. Mais l'auxiliaire accompagne le verbe qui fait l'action. But the auxiliary is going along with the verb who's doing the action. Celui qui fait l'action aujourd'hui, doing the action today, c'est Malachi 4. It's Malachi 4. Et nous sommes les auxiliaires. We are just auxiliaries. Donc nous agissons au nom de Malachi 4. Meaning that we are acting in the name of Malachi 4. Par le mandat de Malachi 4. By the mandate of Malachi 4. Nous pouvons ajouter ni retrancher. We cannot add or. Mais répétons fidèlement. But repeating ce que Malachi 4 a déjà dit. What Malachi 4 has said. Quand je partais de chez moi. But when I was going from my place. Lumière du soir tabernacle. Evening light tabernacle. Là-bas à Kinshasa Messina. Then in Kinshasa Messina. Là-bas en RDC. In DRC. Ecosien tabernacle à Lupin. And Ecosien tabernacle at Lupin. Ils m'ont chargé de vous saluer au nom de Jésus Christ. They asked me to greet you in the name of the Lord Jesus Christ. Merci beaucoup. Thank you a lot. Par le texte que nous venons de lire, by the text that we have read, nous aimerions un peu partager un grand sujet. We'd like to share a great subject. Parce que Frère Branham est tellement un grand prophète. Because Brother Branham is a great. Et je considère que tout ce qu'il dit, c'est un grand message. Everything that he has said is a great message. Il a lu le texte que nous venons de lire. You read the text that we have read. Il a prêché un sermon qu'il a intitulé Je serai avec toi. He preached a sermon that he titled that I will be with you. Comme j'ai été avec Moïse. As I was with Moses. Mais mes amis, mes frères et sœurs. But my friends, my brothers and sisters. Nous sommes dans un âge très 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 compliqué. We are living in a complicated age. Il y a beaucoup de choses aujourd'hui dans le monde religieux. In religious world. Il y a la confusion suscitée par le diable. There is confusion that the devil has brought. Qui veut à tout prix faire brouiller la voie de Dieu. Would like to confuse the way of God. Pour que le peuple de Dieu ne puisse savoir ce à quoi il est appelé à s'attacher. So that people of God may not have what they have called for. J'ai dit un peu quelque chose dans le sermon qu'il a intitulé Condamné par représentation. I'm going to read in the sermon that he gave the title Condemned by Representation.
Le prophète Dieu nous dit ceci. The prophet of God is saying this. C'est pour moi une parole très profonde. It's a very profound way for me. Paragraphe 22. Quotation 22. Il dit, mais lorsque quelqu'un prêche une doctrine, but when somebody is teaching a doctrine, il doit s'en tenir à ce qu'il croit personnellement. He must stand on what he believes personally. Si on ne fait pas ça, if we don't do this, on est un hypocrite. We are an hypocrite. Yes. Si on dit quelque chose parce que quelqu'un d'autre l'a dit, if we say something because somebody else has said it, et dans son cœur, in his heart, on ne le croit pas, we don't believe it, alors on est un hypocrite. Meaning that we are an hypocrite. Parce qu'on dit quelque chose qu'on ne croit pas. Because we are saying something that we don't believe. Moi, je préfère qu'on me critique un peu sur des choses que je crois effectivement. It's better for me that I've been criticized on things I believe strongly. Plutôt que d'être un hypocrite aux yeux de Dieu. Than being an hypocrite before God. Parce que j'essaierai de faire des compromis avec quelqu'un d'autre. Because I will try to do compromise with somebody else. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Donc moi, je suis un croyant du message du temps de la fin. I'm a believer of the message of the end time. Je respecte toute autre foi. I respect all other beliefs. Mais je ne cache pas la mienne. But I don't hide mine. Moi, je suis disciple de William Marion Branham. I'm a disciple of William Marion Branham. D'ailleurs, je crois que vous l'êtes vous aussi. I believe that we are also. Parce que par le fait que votre pasteur, le peu de temps de communion que nous avons eu avec lui autour de la parole. For the fact that your pastor and the fellowship that I have with him, je sais à qui j'ai affaire. Et je sais réellement que c'est un bon prédicateur du message. I really believe that he's a preacher of the message. Et je veux croire que vous aussi qui êtes réunis autour de son ministère, vous êtes le croyant du message. I would like to believe that you also around the ministry of this man, that you are a believer of the message. Le paragraphe 23, le prophète dit. Et là, sur ces réunions ici, vous serez peut-être en désaccord avec moi sur certaines de ces choses. Maybe during these meetings you will not agree with me on certain things. Mais, but ne vous fâchez pas contre moi. Don't get angry against me. C'est que je, enfin, c'est que me, je vous aime. I love you. It's true. Je pense que je montre bien que je crois que chacun d'entre vous. I believe that I'm showing very well that I believe each and every one of you. Que vous soyez catholique, protestant ou juif. You may be a Catholic, a Protestant, or a Jew. Quoi que vous soyez. No matter what si you vous are. Si vous appuyez sur Christ et que vous l'avez accepté comme votre sauveur personnel. If you lean on Christ and you have accepted him like your personal savior. Vous êtes sauvé. You are saved. Car c'est par grâce que nous sommes sauvés. It's by grace that you have been saved. Par grâce. By grace. Donc nos églises, enfin. Our church. Notre appartenance aux églises. As being. Ça ne signifie pas grand chose. Church, it doesn't mean a lot of things. Mais je pense que pour ça. But I believe for that. Que si vous venez sans préjugé. That if you are coming without. Any wrong thought. Vous constaterez que c'est précisément à cause de la dénomination d'église que nous sommes déchirés à ce point. That you notice that because of denomination of church that we are torn apart. C'est ça qui cause tout ce problème, voyez. What is bringing all this problem, do you see? Si seulement on avait laissé cela comme c'était. If only we can leave it the way it was. Et Frère Bonhomme dit. And Father Bonhomme is saying. Il parle aux habitués du tabernacle. Is speaking to those who are used to bon, je veux lancer quelque chose. I would like to throw something. Je voudrais citer quelque chose. I would like to et je suis certain que vous ici les habitués du tabernacle. And I believe that you here people who are used to the church. Mes amis. My friends. Vous savez bien que je ne dis pas pour dire. You know very well that I'm not saying just to say. Vous voyez. You see. Je vous l'avais bien dit. I've spoken it to ce you. Ce n'est pas dans ce sens-là que je le dis. It's not in that sense that I'm saying. J'espère que. I hope that. Je n'en arriverai jamais à passer aux yeux des gens pour un je sais tout. I will not be like a know-it-all thing before men. J'espère que. I hope that. Je n'en arriverai jamais à passer aux yeux des gens pour un je sais tout. I will not reach the point before the men like I'm doing everything. Si jamais ça se produit, if it
happen, ayez la gentillesse de venir me corriger. Be kind and correct me. De me dire, là, un instant, voyez, je ne voudrais pas être comme ça. I would not be like that. Mais quand Dieu dit quelque chose, but when God is saying something, et tu se confirmes que c'est vrai, and you validate that it's true, je trouve que ça se sache. I think that it must be known. Je trouve qu'il faut que ça se sache. I think that it must be known. Je veux que ce que Dieu a dit qui est vrai soit su par les gens. I want that what God has said must be known by people. En fait, in fact, ce n'est pas moi qui l'ai dit. It's not me who has said it. C'est lui qui l'a dit. It's him who said it. Et ce que Dieu a dit aujourd'hui, what God has said today, il a une bouche. He has a mouth. C'est William Branham. It's William Branham. C'est le prophète promis. It's the promised prophet. Et si il a dit quelque chose, so if he has said something, nous allons vouloir que les gens le sachent. We want people to know it. Nous n'allons pas cacher cela. We don't hide it. Nous n'allons pas garder la vérité captive. We not keep the truth in il faut jail. Que la vérité soit connue. The truth must be known. Est-ce que vous aussi vous aimeriez que la vérité soit connue? Vous attendez que tout le monde sache. Lui qui l'a dit. If it's him who said it. Alors. Then. Là il faut que on le sache. It must be known. Ainsi notre sujet de ce matin. Our subject for this morning. C'est je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Is I will be with you. Hence, I was with Moses. J'aimerais que ce matin vous compreniez que nous ne sommes pas le premier à avoir connu Dieu, à avoir marché avec Dieu. I would like that you to know this morning that you are not the first to know God or to walk with God. Au contraire, nous sommes les derniers parce qu'il y en a eu plusieurs qui nous ont précédés. But we are the last one because there is many who came before us. Et ce que Dieu a fait avec eux, and what God did with them, doit nous servir d'exemple nous qui sommes arrivés à la fin des âges. Must be an example for us who came at the end of the age. L'écriture que nous venons de lire dans la Bible, the scripture that we have read in the Bible, on est en train de nous parler d'un grand serviteur de Dieu, Moïse. They're speaking about a great servant of God, Moses. Et revenons à Josué chapitre 1. And coming back to Joshua chapter 1, il est écrit au premier verset. It's written at the first verse. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, after the death of Moses, the servant of the Lord, l'Éternel dit à Josué, the Lord, fils de Nun, Joshua, the son of Nun, serviteur de Moïse, Moses, minister, je n'invente pas ce qui est écrit dans ma Bible. I'm not hiding it what is written in the Bible. Je crois que c'est le même qui est écrit dans vos Bibles. I believe that it's the same in your Bibles. Ou si vous n'avez pas votre Bible, prenez note, allez vérifier à la maison. Oh, if you don't take your Bible, take note and go check it at your place. Ici, on nous parle de la mort de Moïse qui était serviteur de l'Éternel. Here, we're speaking about the death of Moses who was a servant of God. C'est seulement après que Moïse soit mort. It's only after the death of Moses que Dieu vient s'intéresser au serviteur de Moïse. That God is coming to be interested in the servant of Moses. Le serviteur de Dieu fut Moïse. The servant of God was et Moses. Et Josué dont on parle ici, lui est appelé serviteur de Moïse. And Joshua, the one we're speaking about here, is called servant of Moses. Est-ce que vous êtes avec moi? Are you with me? Il est dit ceci. It is said this. Dieu vient parler à Josué et lui dit, God coming to speak to Joshua. Moïse, mon serviteur est mort. Moses, my servant, is dead. Maintenant, lève-toi. Now stand up. Passe ce Jourdain. Cross the Jordan. Toi et tout ce peuple. You and all the people. Pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. To enter the land I will give to the children of Israel. Tout lieu que foulera la plante de votre pied. All places that the sole of your foot. Je vous l'attends. Upon that I have given to you. Comme je l'ai dit à Moïse. As I said unto Moses. Vous aurez pour territoire depuis le désert et le Liban. Jusqu'au grand fleuve. From the wilderness and its Lebanon, even into the great river. Le fleuve de l'Euphrate. The river Euphrates. Tout le pays des Éthiens. All the land of Egypt. Jusqu'à la grande mer. And vers le soleil couchant. To the going down of the sun. Nul ne tiendra devant toi. Nobody shall stand before you. Tant que tu vivras. When you're still alive. Je serai avec toi. I'll be with you. Comme j'ai été avec Moïse, as I was with Moses, je ne te délaisserai point. I will not forsake you. Je ne t'abandonnerai point. I will not forsake you. Amen. Amen.
J'espère que vous suivez avec moi la lecture. I believe that you are following with me the reading. Fortifie-toi et prends courage. Be strong and of a good courage. Car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leur père de leur donner. For unto these people shall thou divide for an inheritance the land which I swear unto the father to give them. Fortifie-toi seulement et aie un bon courage. Only be thou strong and very courageous. En agissant fidèlement. That you may observe. Selon toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. According to all the law which Moses, my servant, commanded thee. Ne t'en détourne ni à droite ni à gauche. Turn not from it to the right hand or to the left. Afin de réussir dans tout ce que tu entreprendras. That thou mayest prosper. Ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. This book of law shall not depart out of ta mouth. Médite-le jour et nuit. But thou shalt meditate. Pour agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. Thou mayest observe to do according to all that is written therein. Car c'est alors que tu réussiras. For then thou shalt make thy way prosperous. Et tu auras du succès dans toutes tes entreprises. And thou shalt have good success. Amen. Amen. Donc ça, c'est Dieu lui-même. This is God himself. Qui donne les instructions à Josué, serviteur de Moïse. Giving instructions to Joshua, servant of Moses. Voilà ce qui a été comme modèle. Look what has the model. Ceci doit nous servir de type. This is myself to act like a type. Parce que le Dieu qui avait travaillé avec Moïse. Because the God who worked with Moses. Vous savez que Moïse, aux yeux de Dieu, était le plus grand de tous les prophètes. You know that Moses, before God, was the greatest prophet of all. Jusqu'à son jour. Up to his day. Et Moïse demeurait grand prophète. And Moses was still a great prophet. Jusqu'avant la venue de Jean-Baptiste. And just before the coming of John the Baptist. Parce que Jean-Baptiste est venu. But when John the Baptist came. Jésus a dit que de tous ceux qui sont nés des femmes. Jesus said that those who are born from. Il n'y en a pas de plus grand que Jean-Baptiste. There is no one greater than John the Baptist. Moïse demeurait grand prophète. Moïse was still a great prophet. Jusqu'à Jean-Baptiste. And just John the Baptist. Jean-Baptiste demeurait grand prophète. And John the Baptist was still a good prophet. Jusqu'au temps de la fin. And till the end time. Et au temps de la fin. And at the end time. Nous recevons un prophète plus grand que Moïse, plus grand que Jean-Baptiste. We are receiving a good prophet than Moses, than John the Baptist. C'est William Branham. William Branham. Est-ce que le point peut dire amen? Can you believe us? Amen. Écoutez mes amis. Listen, my friend. Le prophète prend le texte que nous venons de lire. The prophet is taking the test that we have. Dans ce sermon-là, je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. In the sermon that I'll be with you, as I was with Moses. J'ai dit que ici, nous voulons bien comprendre pourquoi. Josué pour réussir, il devait rester fidèle à ce que Moïse a dit. I said that here we have to understand that why Joshua to prosper must be faithful to what Moses said. Moses said to him. Et nous savons que dans Malachie, and we know that in Malachi, Dieu nous a dit au chapitre 4, verset 4. God has said in chapter 4, verse 4. Souvenez-vous de la loi de Moïse, mon serviteur. Remember about the law of Moses, my servant. Auquel je prescris pour tout Israël. The rule I've given for all Israel. Des ordonnances et des commandements. Commandments and ordinances. Voici. Behold, je vous enverrai Élie le prophète. I'll send you Elijah the prophet. Est-ce que vous croyez qu'Élie le prophète est un prophète comme Moïse? Do you think that Elijah the prophet is a prophet like Moses? Alors si lui est un prophète comme Moïse, then he is a prophet like Moses. Après lui, Dieu doit avoir suscité aussi des Josué d'aujourd'hui. After him, God had to take up servant like Joshua. Et Josué d'aujourd'hui, the Joshua of today, ce sont les Ephésiens 4. It's the Ephesians 4. Ils ne vont pas avoir leur propre message. They don't have to have their own message. Ils ne vont pas être des chercheurs. They don't have to be a researcher. Ils ne vont pas trouver des inspirations ailleurs. They don't have to find a fresh power. Today, la foi de l'enlèvement, the rapture of faith, est dans le message de Father Abraham. The message of Father Abraham. Et le message se trouve avec nous sous forme de bande et de brochure. The message is with us. Under the form of le prédicateur d'aujourd'hui, the preacher of today, bien sûr, il a droit de lire d'autres livres. Of course, yes, the right to read à la truc il veut. He can do whatever he wants. La nourriture des enfants de Dieu aujourd'hui, but the fruit of children of God today, le message de Frère Branham, is the message of Brother Branham.
Mes amis, vous dites amen. 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 Là, nous sommes d'accord. Oui, on a nourriture pour nos âmes aujourd'hui. That's the food of our soul today. Écoutez ce que Dieu dit à Josué. This is what God is saying to Joshua. Moïse, mon serviteur, j'ai terminé avec lui. Moses, my servant, I've done with him. Maintenant, toi. Now you. Ne reste pas infanté des révélations. Don't remain there to giving your whole revelation. Mais reste fidèle. But be faithful. Répète fidèlement. Repeat faithfully. C'est que Moïse a dit. What Moses has said. Alors. And. Moi le Dieu de Moïse. Me the God of Moses. Je serai avec toi. I will be with you. Comme j'ai